Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert. Et voici le plus grand trompette et chanteur de jazz, l'homme qui est le jazz incarné, en un mot le roi du jazz, Louis Armstrong. Louis Armstrong est entouré de vedettes extraordinaires des plus grands noms de la musique de jazz. Le pianiste Earl Hines. Earl Hines qui a quitté pour quelques semaines la direction de son propre orchestre afin de renouer son ancienne et fameuse collaboration avec Louis Armstrong à l'occasion du Festival International du Jazz. Barney Bigger, l'ex-clarinettiste de Duke Ellington. Le célèbre trombone Jack Teagarden. Le contrebassiste Harold Shaw. Et enfin celui qui est universellement considéré comme un des trois ou quatre meilleurs spécialistes de la batterie, Sidney Catlett. Voici Louis Armstrong et son Hot Five.